Il y a un fou de Jésus ici. J'aimerais dire qu'il y a un fou de Jésus. Alors, maintenant, ils sont déjà excellents. Ils ont vu les messieurs.
cabinet d'excellence ambassadeur pour la paix, l'un d'entre eux va venir et seulement pour moi. Avec que chacun dise, mais au moins pour moi, et tout le monde, l'excellence, pour le liberté, le polaire, le tarif, va venir. En accord avec la mission de la Fédération. L'ambassadeur pour la paix à l'aide des Congo, dans le septembre, prochainement à l'aide pour la 11e de l'éducation de l'emploi, au secrétariat général de la FDI, pour comprendre davantage. C'est comme si vous n'avez pas compris qu'il y a un ambassadeur fou de Jésus-Christ. Merci, distingués internautes, de suivre cette grande émission La Véracité, une émission conçue pour vous, une émission dans cette chaîne Super Promo 243. Comprenez-nous, on est sous la pluie ici à Kinshasa. Il pleut énormément, énormément depuis la nuit. Il pleut énormément. On est en direct déjà sur place à l'INPP 11e rue. Dans la salle, de la grande salle de l'INPP 11e rue, l'INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, où tu es pour assister à la cérémonie Moko Nene, Faranabiso, Yayanabiso, Nekonabiso, Papa Nabiso, Dakumoda Christian Newman, autrefois Azalaki, musicien profane, Karaning et Tolobaka, Lelo Akomaya Nzambe, Lelo Nzambe Abengai, et puis Azosel Nzambe, et puis Azosel Lassou Moka. Lelo Bazo nommé frère Christian Dakumoda Newman, ambassadeur pour la paix universelle, na ONU, soit ONU, Nations Unies, Nations Unies plutôt, donc tu es pour assister à la cérémonie Oyomou Nene, c'est une fierté, Nenge Moko, musique Nabisho, mais la rouma congolaise, Nations Unies, Aoutiko, le côté c'est Angoloko, le patrimoine. C'est aussi une bonne affaire aussi pour nous. Ils ont juste drapeau en Moko Nabisho, ils ont toujours le bourseau, les lopés, frère Christian Dakumo Danyoman, nommé ambassadeur pour la paix universel. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Donc tout là n'a vraiment cérémonie au Nabokébignos. Quant à moi, je vous dis déjà meilleurs vœux à vous tous. Joyeux Noël, bonne année. Bienvenue sur vos Olana. Abonnez à Super 243. Balandi à la véracité. Hein? Et aussi le mien. Aussi le mien. Joyeux Noël vraiment. Mais on veut à vous tous, donc nous vous fêtez bien, 2022, on va dire tout comme dans quelques jours, nous avons mis le bisou déjà, si on se trouve en vie, il y a ma bé et y était. Quant à moi, je tiens aussi à remercier et à souhaiter aussi, mais on veut à Serge Kong, le patron de l'espace aérien, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci mon frère d'avoir encore pensé à moi et à nos enfants. Papi Moubia Lavin Diesel, Papi Moubia Lavin Diesel, merci aussi à toi. Mais on veut aussi à toi, à l'architecte Kassi Tiama Kessé Dandassi. Mais on veut aussi à toi, à Mike Mossisi, vraiment, Tolana, à suivre. Thank you.
S'il vous plaît, merci. La Fédération des familles pour la communauté. Il y a M. Paulin, le Cali, le Mété. Il y a le chef Jibril Binda Gamba. Monsieur Fabrice Bendo. Il y a monsieur Guyen Ngoto. Et ensuite, M. Cédric Yonza Tseka. Et enfin, Pasteur Christian Nimokoussou. Et distingué dans le principe de vivre pour les autres. Vu les conclusions positives, la commission chargée d'examiner la demande formulée par les candidats ambassadeurs pour la paix, donc les noms suivent. Monsieur Paulin Lucali, vous mettez. Chérie Jibril Binda Kwakwa. Monsieur Fandoli Siko Vendo. Monsieur Riguel Ngoto Wabwa, le Tuluwa. Monsieur Cédric Yuonza Nseka, à ce Christian Kimakoussou, Kinoun. Considérant la nécessité et l'urgence, article 1, sont nommés ambassadeurs pour la paix en République du Congo, les nommés. Paulin Lucali, nommé chef Jibril Binda Wabwa.
Fanoli Siko Nembo Vembo Rigen Moto Wapo Cédric Yonza Seka Christian Kimoussou Kinumbo. Article 2. Le secrétaire général de l'FPI est chargé d'exécuter cet article, ces actes de nomination qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait de la Kinshasa, le 23 décembre 2021, honorable collègue Nyama Osiloa Mouzila, secrétaire général de l'FPI RDC. Je vous remercie. Qui sont ces personnalités que vous allez nominer aujourd'hui? Je vais aller l'un après l'autre et vous allez écouter. Donc, la personne dont je vais parler, parce que vous ne connaissez pas encore bien, quand je cite votre nom, vous vous levez encore, vous vous asseyez, je vais continuer à parler de vous. Les nouveaux ambassadeurs d'aujourd'hui, nous les avons présentés, vous avez vu, ils sont 6. Et le premier à être cité, c'était M. Paulin Lucalier. Qui est la personne à vous dire juste quelques points pour que vous ayez une idée sur la personne? Expert comptable et franc dans le libéral. Lucalier Mbete, il est gestionnaire de cabinet de audit et d'expertise comptable. Président fondateur d'une organisation non gouvernementale de développement appelée Atelier l'Épargne Montgéry. Avec son objet Atelier l'Épargne, Monsieur Lucalier, Paulin Lucalier Mbete, en vue des familles stables. Assistance aussi. Merci beaucoup. Il s'est aussi attiré sur l'assistance au soutien aux couples albinos et personnes vivant avec handicap. Et il ne s'est pas limité là. Aussi, il a été dans la construction des ponts dans plusieurs villages du Congo central. Promoteur de certaines œuvres sociales telles que l'école technique moderne à TP, où les enfants, depuis la maternelle jusqu'au secondaire, reçoivent une éducation et une formation spéciale sur l'éducation du caractère. Et vous avez entendu quand j'ai cité le nom de Paulin Lucalier, vous avez entendu là-bas, tête doublée. Madame la passe, ça veut dire. Merci beaucoup. Ensuite, il y a M. Binda Wawa Djibri. M. Binda Wawa Djibri, il m'a dit, pardon, avec moi, faites une série de 7 ans. Et pourquoi je dis, ok, je suis d'accord avec vous parce que c'est de vous dont il s'agit. Donc, chez lui, la voix va, chez lui, encadré, moral et spécialiste en projet de service et d'entraide. Ça, c'est lui. Monsieur Fanoli Siko Nembo. Voilà, il est là. Merci beaucoup, merci. Monsieur Siko Nembo Fanoli a une licence de pédagogie appliquée en chimie. Pendant plusieurs années, il fut professeur
de cours de sciences et chimie dans beaucoup d'établissements secondaires de Kinshasa. De 2007 à 2019, il a été inspecteur itinérant au cours secondaire de Bandalungwa. Nous sommes là à Kinshasa. De 2008 à 2010, conseiller du ministère des Affaires sociales et humanitaires. De 2011 à 2021, conseiller du ministre d'État et ministre de l'Université. Depuis novembre 2020 à nos jours, M. Sipho Vendo Fadouli est inspecteur principal et directeur du centre de formation des cadres de l'Université de Kinshasa. Miguel. Chef d'établissement d'enseignement, enseignant des formations, grand activiste dans la promotion et protection des droits de l'homme, très actif dans le mouvement associatif pour l'encadrement de la jeunesse et la sensibilisation des couples monogames en vue des familles stables. Merci beaucoup. Vivons ensemble à ce but. Spécialiste en tourisme et publicité, activiste dans le mouvement associatif des jeunes et de la sensibilisation des groupes monogames pour la stabilité et la paix. Merci. Enfin, non, c'est bon. Kim Bokusu et Nounou Christian. Nous sommes venus. Est-ce que nous pouvons tous ensemble
et ça vraiment nous devons vous applaudir. Merci beaucoup d'être venu et nous pensons que les bonnes habitudes commencent ici. La pluie ne doit pas être un frein parce que sinon la paix ne viendra pas. Merci beaucoup. Alors, les moments tant attendus arrivent. Nous allons passer à la nomination maintenant. Et comment ça va se faire? Donc, cher président régional et tous les distingués invités comme vous êtes là, nous devons savoir que les ambassadeurs de la paix, dont les réseaux ne cessent de s'étendre, sont des responsables résolus à changer l'ordre des choses. Ils représentent la famille humaine dans la diversité politique, religieuse, raciale et ethnique. Et ils représentent tous les domaines d'activité humaine. Alors, être nominé ambassadeur pour la paix, c'est s'élancer dans des responsabilités destinées à créer un monde de paix véritable. Mais c'est aussi accepter de vivre selon les principes directeurs d'unité, de spiritualité, de famille, de fraternité et d'altruisme. Alors, nous allons ainsi appeler les distingués lauréats à passer l'un après l'autre pour être investi en tant qu'ambassadeur pour la paix. Donc aujourd'hui, les réseaux d'ambassadeurs pour la paix va encore s'agrandir avec la nomination de ces éminentes personnalités que je vais inviter à se rapprocher de la tribune pour recevoir ce nouveau mandat, c'est-à-dire une nouvelle responsabilité. Voilà. Je vais ici appeler Monsieur Paulin. Oui, nous allons citer, vous appelez sur l'ordre qui a été présenté. Quand vous venez, vous passez d'abord sur le secrétaire général, oui, et vous finirez par recevoir votre diplôme, vous finissez chez le président régional. Quand vous recevez ce diplôme, vous venez ici, vous décorez une partie d'ici, les autres vont suivre. Et nous vous annoncerons la suite du programme. Donc, Monsieur Paulin Loubette, il est déjà là. Vous passez. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Oui, enfin, c'est le pasteur de Kumbukusu, Christian Kindoumbou. Comme nous sommes là-bas. Donc vous venez et entourez. Amen.
n'avez pas compris qu'il y a un ambassadeur fou de Jésus-Christ ici dans la salle. Vous commencez à comprendre qu'il y a un ambassadeur fou de Jésus ici dans le pays. Présent dans la salle. Chers honorables, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers frères et sœurs, bonjour. Dans ce monde, soit avec vous. Amen. Je remercie au nom du collectif des ambassadeurs la Fédération congolaise, la Fédération congolaise des Églises chrétiennes ici présente. Je remercie le révérend Dr Mou, fondateur ou cofondateur, pour cette œuvre aussi grandiose. Je remercie le président régional ici présent dans la salle. Je remercie le secrétaire général de la FPI et je remercie tous les responsables du réseau de la FPI, aussi je remercie tout le monde qui a laissé ses occupations pour venir nous assister, nous encourager, nous accompagner en ces grands jours. Et que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec nous. C'est vrai aujourd'hui, devenir ambassadeur pour la paix universelle, c'est non seulement une élévation, mais surtout et beaucoup plus une responsabilité. Une responsabilité. Nous sommes ambassadeurs. Excusez-moi, suivez la nuance. Nous sommes ambassadeurs de la paix. Mais nous sommes nominés aujourd'hui ambassadeurs pour la paix. Nous sommes ambassadeurs pour la paix. C'est la vie. Nous avons pris l'engagement de ramener, de travailler pour la paix ici en RDC et dans le monde entier. Donc cela est une lourde responsabilité. Et je pense que nous vous rassurons que nous allons laisser nos diplômes ou nos nominations à la maison, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, et nous allons être sur le terrain pour parvenir, pour arriver à ramener la vraie paix dans au chef du peuple congolais, dans les chefs du peuple congolais et aussi dans le monde entier. Nous allons travailler.
Mais seulement à nous qui sommes ici et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je me dis ceci. La paix a un vecteur. La paix est une résultante de l'amour du prochain. La paix est une résultante de l'amour du prochain. Car la parole de Dieu déclare que le premier et le plus grand commandement, tu verras conduit de tout ton cœur, de toute âme, de toute ta force et toute ta pensée. Tu verras ton prochain comme toi-même. Tu verras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, ce que tu ne fais pas pour tes faces, ne le fais pas aussi à l'autre. Et c'est le grand message que votre âme, le serviteur, va véhiculer dans le monde entier. Parce qu'à travers l'amour du prochain, le mal n'aura plus de place. Si j'aime mon prochain comme toi-même, jamais je ne ferai du mal. Parce que tout ce que nous assistons aujourd'hui, c'est juste l'absence de l'amour du prochain. L'absence de l'amour du prochain amène les tueries, amène les antivaleurs. L'absence de l'amour du prochain ramène la mauvaise gouvernance, amène les détournements. L'absence de l'amour du prochain ramène l'absence de la patrie. Aujourd'hui, notre cher pays est en train de souffrir à cause du manque d'amour des prochains. Voilà pourquoi la paix n'arrive toujours pas. Vivre pour les autres, et je pense que c'est ça l'amour du prochain. Moi-même, là, jamais je ne te ferai du mal, jamais je ne te laisserai pas dans la souffrance, jamais je ne verrai pas mon intérêt dans moi personnellement. Je vais vivre pour toi et toi tu vivras pour moi. Bravo. D'où viendra le mal alors? Le mal n'aura pas de place. Le mal n'aura pas de place, mes chers frères et sœurs. Les Congos ne manquent pas d'argent. Les Congos ne manquent pas de textes, ne manquent pas de lois. Les Congos ne manquent qu'un cœur plein d'amour des prochains pour ramener la paix dans les familles, dans les familles. C'est comme le secrétaire général vient de dire tout à l'heure que nous sommes assis sur une mine d'or. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Reste que de marcher dans l'amour du prochain, dans l'amour de l'autre, penser à l'autre. C'est alors que la paix véritable va s'installer. Je vais dire à la face du monde qui me suivait à terre, qui vous qui me suivez à terre à travers ces caméras, arrêtez de vous faire la guerre. Arrêtez de faire la guerre à vos frères congolais pour les minerais. Nous souffrons parce que nous sommes riches. Mais cette richesse ne nous appartient pas à nous seuls. C'est pour tous ensemble avec vous. Mais sachez comment les avoir. Sachez comment les avoir. Sachez comment les avoir. Ce n'est pas en versant les sangs des Congolais que vous allez avoir. Et par contre, c'est juste une négociation à travers les pourparlers et que nous pourrons tous bénéficier de ce que Dieu a mis en RD Congo. Parce que Dieu a déjà réconcilié son monde. Il a donné beaucoup de richesses au Congo, beaucoup d'intelligence et des usines de transformation à l'homme blanc. Donc nous sommes appelés à cohabiter, à être ensemble. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis très, très, très content de me trouver devant, de me tenir devant vous au nom de la FPI, la Fédération pour la Paix Universelle, pour vous
ces messages. Et vous qui êtes ensemble avec nous ici, que la paix commence avec nous tous qui sommes ici, en sortant d'ici, dans nos maisons, dans nos familles, avec les amis, avec les voisins, avec les peuples, avec tout le monde. Que la paix commence déjà avec nous, ici dans la salle, que l'on sente déjà, que l'on sente dans la salle ici, nous sommes en paix. Hosanna. Hosanna. Na lignette FPI, Kevin Lo, Mazali Awa, la Katia Kumo pour le monde entier. Quand on a une grande monnaie, on a tout délimité au petit ma boko, fait au gagne ma Marmezaine.
à tous les ambassadeurs, vraiment, Zambé, Abadé, la mission, Papa, mon leçon, on sera la mission de mon ami, on sera la mission. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimilombote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté to za nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amis, difficulté, il y a loyer parce que tu as foutu là. Et puis, difficulté, il y a foutu là-bas dans Minerval pour te chuter au Bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu as l'indam.
nazo banga kebana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelate. C'est difficile, il y a aussi un grand moko. C'est pour cela que lancé appel na bananyo sur Nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loi na bango, kulata pe kulia na bango. Na osenga na batunyo sur baza kia sensible, pe baza na motema kusunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya munene, tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour la bateau, balingi va contacter Bissot pour la détail. Moussoussou, il a plus 243 89 72 32 229. Opération Sunga orphelin à 1 dollar. Alia Amila Alata. Initiative de maman Emily Setimayinga Mwasinzambe. Na 1 dollar na you, tu peux sauver une vie. Notez bien. Descente et cause la bongo na ba orphelina. Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça, la livre souvenir et fou maman. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Iboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité. 1 dollar pour nous offrir. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga. Nzamba pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar. 1 dollar seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin. Na opération Muneno Bausala le 24 décembre il y a année oyo na kola na mois passé mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que ozangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel toi ça na pour ça toi c'est prêt ça bon na 1 dollar à pamba et qu'on foute la orphelin mon classe to pesa 1 dollar ya pamba pour na bonne année orphelin azanga lo sauté so sauté fufu ya koliati to bimisa Christ et quatre personnes to pesa na auto zan 1 dollar na linga orphelin. On a lobby 1 dollar na biso ya ndena lo babwe benga na numéro wana opesa 1 dollar no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozala ka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kutina mbongo na yo tole bongo na mpesa ibank Airtel Money bana nyoso ya Canada to États-Unis bokotina oya ko boya ko pesa 1 dollar na ONG Vida pona kusunga bana tike façon na ko papole la ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda, Moutakala Nankolo. Santé nationale puissante chez Dr. Cathy Munga. Comment on a une soeur Cathy Munga? Nazali naturothérapeute.
Nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes internes tout comme externes, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerfs sciatiques, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndé bisika na séchaka ba plante. Banzete, ba makasa ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Eh yé! Bino batu, oyo buza na posa bo tinda biloko na bino et koma na kisasa na ndenge kaka botieli, bo hésitete. Agence ezaka ka moko, Zibe service ya José Bayila. Agence Zibe Service, c'est José Bahila. Yewane, Azalaka Mundelete, Azalaka Mutumundu. Na moment ya confinement, Zibe Service, a meme ni biso biloko na biso. Na mbula moko, contenez le kokikuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na Europe Mobimba, et qui kalaka ka moko. Zibe Service, ezana ren. Ba numéro kubenga, yango wana kubenga. Awa na kisasa, eza bongo place ya kubunga te na Saint-Thérèse, na sima ya station. Mbala moko za mubimba, afasi na yango la police, Zibe Service eza wana. Pane biso, toza kaka na kisasa te, toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka. Bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai.